Côté de la Teshuva, comment entre guillemets rentrer dans la Teshuva une fois qu'on a décidé? Beaucoup de gens en fait, ils ont l'impression que c'est une espèce de montagne, ils se retrouvent devant une montagne. Ok, il faut que je mange cachère. Si je mange cachère, il faut aussi que je fasse des bras, des parcours qui correspondent. Comment réussir en fait à accéder petit à petit en prenant l'essentiel, enfin au départ peut-être, et en passant des paliers, vous voyez? Bon, il est clair, comme je dis souvent, nous ne sommes pas des crêpes. On ne peut pas, parce qu'on a vu la vérité, du jour au lendemain, devenir un orthodoxe faisant tout de A à Z. Ceux qui font ça, d'habitude, ne tiennent pas longtemps. Alors, il faut aller step by step, degré par degré, petit à petit. Attends, la question, c'est quoi petit à petit? Il y a un petit à petit qui est grand, un petit à petit qui est petit, et un petit à petit qui est trop petit. Alors, il n'y a pas de réponse claire. En gros, plus on est jeune, plus on est rapide. Plus on a soif de vérité, plus on est rapide. Plus on est un battant, plus on est rapide. Vous voyez, il faut savoir être intelligent. La réponse est le plus rapidement possible, mais adaptée à nous. Alors, pour une personne, ça peut être quelqu'un de 50 ans qui commence. Ah, commencez lentement, je sais pas. En gros, de toute façon, il y a une chose qui motive beaucoup et qui aide, c'est l'information. Donc on dira à tout le monde, de toute façon, il faut beaucoup s'investir dans l'étude de Torah. Je ne parle pas forcément d'Agmara qui est très technique et très non actuel dans nos besoins, dans nos recherches premières, d'accord? Mais par exemple une étude, et au niveau de la pensée juive, au niveau de l'Halachot, sur les sujets de l'Halacha, sur le Shabbat, sur la Kashrut, sur le Homme-Femme, sur le Chatnez, tout ça. Plus on apprend, plus on a envie de faire. Donc, quelqu'un te dira, il ne faut pas porter maintenant du lin et de la laine ensemble. Bon, pourquoi, qui, quoi, comment, dans quel cas? Le fait même d'étudier les lois, sont la plus sèche qu'il puisse y avoir, déjà, ça donne une envie de faire. Comme dit la Gemara, Gadol, Limoud, Shemavil et Damas, c'est grand l'étude qu'elle amène l'action. L'étude, l'être humain, il est motivé par la compréhension. Par la connaissance des choses. Quand on connaît, quand on comprend, on a envie de faire. Mais si tout qu'on nous dit 613 lois, puis on ne comprend pas très bien pourquoi il faut le faire, bon, ça vient de Dieu, il faut le faire, ok, ça peut marcher, mais ça manque. On n'est pas suffisamment, on n'a pas les outils. Une fois que ma tête a complètement épousé l'idée, alors elle a envie de pratiquer, il ne doit pas y avoir vraiment de danger à cela. Voilà, et surtout pas faire attention à l'entourage. Le grand piège de la tchouva, c'est l'entourage qui d'habitude ne comprend pas. D'autant plus qu'une tchouva se fait de façon progressive. Mais c'est comme une fleur qui grandit. Alors il y a un bourgeon, tu as une tige, tu as un bourgeon. Et puis il grossit. Donc on sent qu'il y a quelque chose, mais ça reste un bourgeon. Puis après il éclate, tac, tu as une fleur. Maintenant le passage entre bourgeon et fleur, il est très rapide et très spectaculaire. Parce qu'un bourgeon c'est un bourgeon, puis une fleur c'est plus un bourgeon. Ça n'a rien à voir. C'était fermé, lait, coup tac, t'as un beau truc, éclatant, lumière, couleur. Et ça s'est fait, c'est super rapide. De même, la tchouva. Et bien, c'est une chose qui est très intérieure. On n'en parle même pas aux gens. On réfléchit, on pense, on regarde un peu des cours, on s'informe, mais on reste le même. Mais un beau jour, on passe à l'action. Ce passage, il est extrêmement rapide et a l'air très subi pour l'entourage. Et eux ne comprennent pas. Ils ont toujours très peur que nous qui étions des gens normaux, pas un télo on va dire, mais pas des gens idiots quoi, tout à coup, à toi, un type normal, tu rentres aussi dans la secte, d'accord, ça fait bourrage de crâne, voilà. Donc ils comprennent pas. C'est, ça a l'air très subi. Alors il faut leur expliquer que c'est le fruit d'une démarche qui date depuis longtemps, qui est très réfléchie, et on peut d'ailleurs leur opposer aujourd'hui quelques bons arguments parce qu'ils n'ont rien à vendre. Le monde occidental, qu'est-ce qu'il a à vendre? Des primes, débauche, travail. Travail et sexe, c'est les deux choses qui existent chez eux, d'accord? Argent et sexe, et, c'est-à-dire un statut social, les études, voilà, être quelqu'un, machin, tout ça. Sans ça, t'es rien, t'as raté ta vie, alors que c'est exactement le contraire d'habitude, d'accord? Les grands gens à statut social, ils n'ont rien de vie, ils ont bossé, bac plus. Et puis, ils n'ont pas eu le temps d'investir dans leur propre être.
Alors, faut leur montrer où est l'essentiel, où est l'accessoire. On n'est pas parti pour devenir un ermite dans une grotte, on ne devient pas fou. Après tout, il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent juivement. On fait partie d'un peuple qui a 3500 ans d'histoire de personnes qui vivaient juivement. Et peut-être on n'est pas dans le faux, ça vaut la peine de vérifier. D'autant plus qu'on a aujourd'hui un argumentaire super puissant qui n'est jusqu'aujourd'hui et s'est révélé être irréfutable. Ben voilà. Maintenant, comment agir ? Agir vite, mais lentement. Ça veut dire le plus vite qu'on peut, parce qu'il ne faut pas aller trop lentement non plus, sinon on donne du côté du mal, mais pas trop vite non plus. Il faut être intelligent. Et ça, il n'y a pas de recette adaptée à tout le monde. Chacun doit, en fonction de ses critères, comme je dis, d'âge, de qualité d'âme, de proximité de Dieu, de motivation, tu as des gens qui sont des grands battants, des guerriers. On a des super paresseux, ça ne peut pas être la même chose, d'accord ? Chacun doit s'adapter à sa façon de faire. Maintenant, il est toujours bien de prendre conseil chez un rabbin ou un connaisseur. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Parce que des fois, quand on ne comprend pas, on met l'accent sur les choses qui sont fausses. Comme l'exemple, on a eu un exemple authentique, c'était il y a 15-20 ans, d'accord ? Montpellier. Il y avait un monsieur qui a fait un séminaire, qui n'était pas chômeur Shabbat, rien du tout. Il a décidé de commencer à faire une chose. Quoi ? Il est allé au mikvé la veille de Shabbat. Mais Shabbat, il ne faisait pas. Il prenait la voiture Shabbat, la lumière, tout Shabbat. Mais le mikvé, il allait. Bon, c'est bien, c'est mieux que rien. Il faut expliquer que le mikvé, c'est une chouma de chouma. C'est une mesure de piété. C'est même pas dans le Shulchan Aruch, d'accord ? Parce que Shabbat, en soi, c'est les choses les plus graves qu'il y a dans le judaïsme. Super, super important. Donc, tant qu'à faire, commencez déjà au moins à ne pas écrire Shabbat. C'est beaucoup plus important que le mikvé. Un million de fois plus fort. Un million au moins de ne pas écrire. Ou de pas, même qu'il y a 39 travaux Shabbat. Alors, tu commences par un des travaux. Le Rav Israël Salanter était parti à Hambourg. Parti d'Allemagne. Était en Allemagne, parti à Hambourg. Hambourg, c'était donc en Hollande, sur le... Je pense, au nord de l'Allemagne. Qui c'est ce Hambourg ? Hein, en Allemagne ? Non, au bord de la mer. Et là-bas, il y avait un port. Et les Juifs, et toutes les marchandises arrivaient le samedi aussi. Impossible de pas aller au port. Donc, ils allaient Shabbat à la synagogue le matin. Puis après, tout le monde au port, et on bosse, quoi. Donc, ni Shabbat, ni rien. Un Shabbat folklorique. Le Rav est venu là-bas. Et on a proposé de parler. Le Rav Israël Salanter, c'est de la grande génération. Il a demandé s'il y avait des gens qui n'étaient pas de Hambourg, des étrangers. Oui, quelqu'un a levé la main qui n'était pas, c'était un invité. Donc, non, je ne parle pas. La semaine d'après, il est resté. Là, il a vu qu'il n'y avait aucune personne qui était extérieure à Hambourg. Et là, il est monté. Il a dit, écoutez, j'ai bien étudié le problème du port qui est ici à Hambourg. J'ai vu que dans les 39 travaux de Shabbat, il y a un qu'on n'est pas obligé de transgresser pour tous les problèmes de... tous les problèmes de réception de la marchandise par bateau Shabbat. Par exemple, il n'y a pas besoin d'égorger. On prend tout sur nous maintenant, toute la communauté de Hambourg, on prend sur nous que dès aujourd'hui, Shabbat, on transgresse 38 travaux de Shabbat, mais le 39e, égorger, on ne transgresse pas. Bon, égorger, ça veut aussi égorger, c'est pas se faire saigner, d'accord, pas tirer un morceau de peau et faire saigner, pas tout ce qui est à voir avec sortir du sang. Bon, Shabbat d'après, j'ai encore étudié, j'ai vu que planter, il n'y a pas besoin. On prend tout ce monde maintenant qu'on ne plante pas. Planter, c'est-à-dire planter, arroser, plante, d'accord, ça, tout ce qui va avec. Ils ont accepté. Après le troisième Shabbat, il a pris, allez, trouvons quelque chose, après, il a dit détruire. D'accord, détruire pour construire. C'est la melacha. Après, effacer. Lentement, est arrivé, enfin, il ne restait plus que. Il faisait déjà Shabbat presque la totale. C'est un très bon moyen, parce que le fait de pratiquer déjà une partie, ça t'amène une aide du ciel qui t'aide maintenant, qui t'aide pour le reste. Prendre Shabbat d'un coup, il y en a qui font. Mais c'est très dur. Pas tout le monde arrive. Moi, ce que je conseille aux personnes, ça révèle l'expérience a montré que c'est un bon truc. Comme je dis à Daniel quand tu es arrivé à Yeshiva, qu'est-ce que je t'ai dit et Shabbatot. Trois fois, après on verra. Qu'est-ce que tu m'as dit sur le Shabbat ? Ah, c'était insupportable. C'est... Insupportable, d'accord. Donc, dernier arrivé à Shiva, il dit c'est insupportable Shabbat. Ouais. Il raconte. Mais pour moi, c'était inconcevable de faire Shabbat. C'était fou. Déjà, pas fumer, pas faire ci, pas faire ça. Ah, je vais voir le Rav, je lui ai dit comment il pourrait faire Shabbat. Il m'a dit fais trois fois, on en reparlera. Ah, j'ai pris sur moi de faire trois fois, et la troisième fois, c'était un vrai miracle. Vraiment, j'ai compris la grandeur de Shabbat. Vraiment, on pleurait, vraiment, c'était merveilleux. On a chanté, tout le on a tous vécu ça ici. Hein. Les chants, c'était merveilleux, vraiment. Et voilà. Et après, je vais voir le Rav, je dis merci beaucoup. Donc, trois, c'est rapide.
Moi, je donne d'habitude, pour les durs à cuire, 6 fois. D'ailleurs, c'est un grand sensible, donc ça va, il a peur au bout du troisième. Mais les durs à cuire, normalement, au bout de 6 Shabbat, 6, s'il est juif, d'accord ? S'il est juif, ça veut dire que tout le monde, en deux mots, d'accord ? S'il fait 6 Shabbatot, les premiers, c'est terrible. Et puis, je vais tout de suite pourquoi. Le sixième, ou avant, s'il est sensible, tout à coup, il sent un truc. C'est très fort parce que le fait de sentir, quelqu'un il a une démonstration que la Torah est vraie. Ok, c'est bon, je fais, mais il n'a pas encore senti. Ou s'il sent, c'est un petit truc un peu léger. Mais sentir dans le vécu la vibration du Shabbat, c'est très très grand, d'accord ? C'est une chose qui vaut la peine d'être vécue. Alors pourquoi les premiers Shabbats c'est dur ? Parce que le type il est branché matière, il n'est pas branché spirituel. Maintenant, il décide, Shabbat, c'est un branchement spirituel. Que spirituel ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On se débranche de la matière. Parce qu'il y a 39 façons d'agir de façon constructive dans la matière. Shabbat, c'est ça, d'accord ? Il y a 39 façons d'agir de façon constructive dans la matière. Ce n'est pas une question de repos, parce qu'on peut prendre des chaises et monter au haut d'un building, monter et descendre tout le Shabbat, c'est permis. C'est super, il a été hospitalisé à la fin du Shabbat pour épuisement, d'accord ? C'est permis. Allumer la lumière, c'est appuyer sur un bouton, tac ! C'est pas fatigant, je me suis pas trop fatigué. Et comme on me dise pas, c'est comme dans le temps, c'était difficile de faire du feu, fallait avec les silex, d'accord, ça c'est des bêtises. Et réformistes qui racontent ça. Preuve en est que du temps du temple aussi, on n'a pas le droit de semer. Or semer, il faut prendre une graine et mettre dans la terre, c'est pas trop difficile. Écrire, d'accord, mon nom, Eroen, c'est pas trop long. Encore en hébreu, c'est encore moins, Resh Vavnou, d'accord. Un trait un peu tordu, un petit trait, un grand trait, d'accord. Celui qui fait ça, Shabbat. C'était lapidation à l'époque, donc c'est pas tellement foulé le type, c'est pas une question de fatigue, ça n'a rien à voir, c'est une question d'une intervention de l'être humain pendant ce jour-là dans la nature. Il fait l'intervention constructive, quand c'est constructif. On va pas agir dans la matière de façon constructive, on se branche, on construit, et on construit spirituel. Maintenant, pour que le branchement spirituel puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait une cessation de la construction matériel. Donc, le tuyau qui était branché matière, on le branche spirituel. Maintenant, lui, il fait tchouva, il entend ça, très beau discours. Ok, il débranche matière, il se branche spirituel. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, rien qui se passe, parce que ton tuyau, là, le robinet, il est pourri. Il y a quoi d'en boucher ? Donc, il se débloque matière, il se branche spirituel, rien qui se passe. Lui, il est habitué à une énergie, à une vie, à quelque chose qui se passe. 26, 25 heures, même pas le portable, même pas Internet, même pas la cigarette pour se calmer qu'il n'y a pas Internet, d'accord ? Wallo ! Rien ! Synagogue, on mange, on dort, synagogue, on mange, on dort, synagogue, on mange, on dort. Le reste du temps, bah rien. Il pète un câble. Tiens bon. Il faut lui dire de tenir bon, prenant, comme je l'ai dit, entre 3 et 6. 6 si possible. Dernièrement, je vais être réduit à 4, parce que les gens n'arrivent pas à 6, on leur dit 4. 4, tu peux lui dire aussi. Au bout du quatrième, normalement, le robinet, le branchement, déjà, il s'est débouché, parce que 3 fois, tu as tenu bon, au prix d'effort, c'est une valeur, ça se débouche. Et là, c'est... Normalement, on sent un truc très beau, qui peut aller jusqu'à la crise de larmes, les gens appellent au téléphone en pleurant, ça marche. D'accord ? Pourquoi je dis de faire 4 ou 6 fois ? Parce que quand tu dis au type maintenant, fais Shabbat. C'est énorme. Il faut lui dire, écoute, imagine que 4 jours, tu as accident de ski, d'accord ? Tu as le pied dans le plâtre. Tu es à l'hôpital, pendant 4 jours, 84 heures, tu vas bouger dans le lit, le pied suspendu comme ça. Ça arrive à tout le monde d'avoir 4 jours immobilisés. Tu prends maintenant, ça vaut la peine pour toute ta vie, tu tentes le coup, 4 fois immobilisé. Tu peux le faire ? Il accepte. Là, il peut accepter, parce que lui mettre le Shabbat pour toujours, il y a tellement de... Il y a de serrara, d'accord, mais on doit faire avec le serrara. Donc, la méthode, elle est oui, de prendre des petites périodes. Dans chaque chose qu'on fait, c'est bien d'agir ainsi. Des périodes comme ça, où ça fait moins peur au y a de serrara. Si on se dit pour toujours, ça fait très peur. Tu prends une période, une semaine, 2 semaines, et tu tiens bon, ça donne confiance. Du point de vue mystique, ça donne aussi des mérites qui te permettent d'aller encore plus. Et savoir que si on tombe, alors c'est pas grave, on remonte. Sheva Ipol Tzadik Vakam. 7 fois un tzadik qui tombe et se relève. 7 c'est cyclique, ça veut dire que c'est pas forcément 7, ça peut être aussi 7000, 70000, d'accord ? Veracha Ipol Bachat. Et le mécréant, il tombe en une fois. Il se relève pas. Donc la nuance entre le tzadik et le mécréant, c'est pas qu'un tombe, l'autre ne tombe pas. Les deux tombent.
les deux trébuchent, les deux pêchent. Un tzaddik aussi, il pêche. La différence, c'est que le tzaddik, il se relève. Et il retombe, et il se relève. Et il retombe, à la fin, il tient. Le rachat, il dit, c'est pas pour moi, hein, c'est trop. Donc, pas avoir peur de se relever. La chute, elle est normale. C'est même comme ça qu'on grandit. C'est en chutant qu'on apprend à plus chuter. Comment quelqu'un, il apprend à marcher? Il se met debout, il tombe devant. Qu'est-ce qu'il comprend? Il faut se mettre un peu derrière. Il se remet debout, il tombe derrière. Au bout d'un moment, avec le devant et le derrière, il a compris maintenant, il arrive à comprendre c'est où l'équilibre. En Adam Omed Alveritora Alam Ken Nirchalbo. Une personne ne peut se tenir debout, c'est-à-dire puissante, stable sur des paroles de Torah, en ce qui concerne la Torah, si ce n'est qu'il a trébuché auparavant. Trébuché auparavant. Et entre guillemets, vous conseillez directement de s'attaquer, on va dire, presque à Shabbat? Ça dépend de qui, ça dépend quoi. Alors, parce que, est-ce qu'il y a entre guillemets, déjà une personne, elle n'est pas du tout... D'abord, information. Ouais. L'information numéro un. S'informer beaucoup. Si on peut Shabbat, c'est la meilleure des choses, parce que c'est grand, c'est très grand Shabbat, très grand. Filin, c'est important aussi. Kashrut aussi. Tout ça, voilà. C'est-à-dire oui. Que, vous voyez, mais... pour nous, ça nous semble presque évident, mais une personne comme ça, tout qui a ce désert-là, mais qui se dit, ah bah voilà, alors, t'es filin. S'il peut Shabbat en premier. Ouais. Ensuite, Kashrut et les filles. Parce que ce sont des averos, ce sont la kashrut en ingugit et la touma, les filles, c'est une chose très puissante aussi, dans le mal. Tfilin, c'est une mitzvah positive, très très importante, mais c'est déjà, t'as raté une action que tu aurais dû faire. C'est moins grave que de transgresser une chose que tu ne dois pas faire. C'est moins grave de ne pas mettre tfilin que manger non kasher. Ce qui est dur pour nous savoir quelle est la valeur des choses, mais au niveau de la stricte, on va dire au niveau de la réparation d'un péché, une loi positive, si on fait tchouva, elle est expiée. Une loi négative, il faut tchouva yom kippour. Donc on voit qu'il faut déjà... Et les lois négatives, Shabbat, loi sexuelle, c'est avec carette, d'accord? Kashrut, c'est pas carette, mais t'ingurgites des choses qui font vraiment écran. Ça reste en toi, d'accord? Donc c'est très conseillé. Mais, numéro un avant tout, information. L'information, c'est ça qui fera avancer. Quelqu'un maintenant, je lui dis, même des gens qui sont très loin, il dit, branchez-le sur le site, lehava.fr, d'accord? Si le type, il est fidélisé, il aime, d'abord mettez des cours accroches, du genre, il y a deux cours sur l'amour, cours sur l'âge du monde, des trucs qui ne sont pas Torah du tout, mais des trucs qui sont très, très, très intéressants en soi, d'accord? On voit un rabbin, il ne parle pas, c'est pas le discours de Parashat Shavua, d'accord? Un truc, on m'a dit une fois une bonne femme, elle nous fait comme l'histoire des Schtroumpfs, d'accord? Le type, il vit le monde par où il y a 3000 ans, Abraham est venu, Sarah, les anges, bon, ok. C'est très joli, mais bon, c'est une sorte de schtroumpf. On parle d'un truc de science-fiction, c'est pas dans ce monde. Tu lui parles maintenant, sur le terrain, voilà, ta femme, d'accord, comment faire pour que ça tienne? Les problèmes de couple, tac, tac, il entend un discours intelligent. Sur les questions de science, hein, on parle science, on parle physique, point de l'astrophysique, c'est des choses qui touchent. Si après, il est fidélisé, il commence à regarder des cours déjà, les profs de la vérité de la Torah, il voit qu'ici... Il commence à comprendre qu'il y a une chose intéressante. Si il fidélise, il a une demi-heure de Torah tous les jours, dans 6 mois, le type, il pratique. Parce que l'information, elle, c'est le meilleur moyen d'avancer. Comme il est marqué, c'est un chazal, une parole de chazal qui dit, que Dieu a dit, « Si seulement mon peuple arrêtait de pratiquer la Torah, mais au moins l'étudiait, que la lumière qu'elle contient les ramènerait à pratiquer. » Donc on voit que la lumière de Torah, elle est très grande. On doit se limiter aussi au niveau de l'information, en fonction de notre niveau. Je veux dire, moi, je ne suis pas de mon niveau, de prendre beaucoup d'informations. Pourquoi? Il faut des informations qui sont appropriées. Quand on se rebava kama 4 fois, ça ne sert à rien. Apprends sur le but de la vie, apprends sur le sens du Shabbat, apprends sur... Mais il y a beaucoup de bouquins de pensées juives au début. Pensées juives, après, halakha. Un peu halakha. C'est très rébarbatif, c'est très sec, la halakha. Pensées juives, et quand on s'en envie, halakha. Alakha, donc les lois juives. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Vous avez dit qu'il fallait avancer selon notre capacité. Ça, c'est au niveau des masses, mais au niveau d'information, il n'est pas forcément limité. Si on peut faire un shkafa toute la journée... Vas-y, ce que tu as envie. Ce que tu as envie. En Adam, l'homme est machibo hafes. Quelqu'un n'étudie que ce que son cœur a envie. Donc il a une envie, il aura des envies à propos d'un moment. Il peut se faire ci, il peut faire ça, d'accord? Il vaudra sur la cacheroute, il vaudra sur la philosophie juive, il vaudra sur la Kabbalah, il vaudra sur les lois de voisinage juif. Tout, d'accord? L'éthique juive. Chacun, il a des choses qui correspondent à sa racine d'âme, qui est attirée par
À ce sujet-là, vous avez dit que donc il faut avancer selon notre rythme, selon nos capacités, mais est-ce qu'on peut être réellement objectif avec soi-même? Très souvent, on a un discours, même les gens qui sont religieux, dire moi, c'est pas de mon niveau. C'est pas évident d'être objectif soi-même. Dire moi, très difficile. Très difficile. On se sous-estime des fois, on ne sera pas capable de faire des choses. Ouais, c'est vrai. Moussard. Alors dans la lecture, il faut beaucoup de moussard aussi. Le moussard, c'est quoi? C'est pas de l'information. C'est du boosting. Le type, il sait ce qu'il faut faire, mais il est paresseux, il n'a pas envie, etc. Donc, le chauffer maintenant sur l'importance des choses. L'importance des choses. L'urgence, l'importance. Tu le boostes là-dessus, alors lui, après, il n'a plus envie de faire. C'est ça, pour nous tous. Le moussard, c'est, messieurs, c'est sans ça, no chance. Les plus grands rabbins du monde ont dit sans moussard, ça ne passe pas. Rabbin Ohari, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, c'est des géants, des géants, des géants. Il dit, un jour sans moussard, puis quoi nefesh. Danger de mort. Alors nous, qu'on est des nuls comme nous sommes. Et c'est dur. Le Yetzer Hara se bat sur deux choses. C'est connu ça maintenant, je parle dans le monde des gens déjà orthodoxes. D'accord. Deux choses principalement, deux sortes d'études. La première, le moussard. Deuxième, la halakha. Tu as beaucoup plus envie de refaire maintenant, encore une fois, ta page de Baba Kama. Halakha, c'est difficile. Et pourtant, c'est bien plus nécessaire au niveau pratique quotidien. Tu sais, sache faire Shabbat. Il y a des gens qui sont des super lames d'anime et ils font. J'ai vu une fois, j'étais en choc, j'étais un nouveau Baal Tshuva. Je vais dans une yeshiva, je vois pendant Shabbat un bachour qui parle au Rosh Yeshiva. Il prend comme ça son talis katan, je prends la démonstration sur place, d'accord, l'occasion maintenant de le recevoir un peu. Il parle, comme ça, il parle de Torah, tatata, il fait comme ça pendant Shabbat. Ça, pendant Shabbat, c'est un issur de Horaïta. Lapidation du temps du temple. Un bachour yeshiva. Il ne savait pas. Je pense qu'il ne savait pas. C'est quand je suis allé au public, non plus, il ne savait pas. Il n'a rien dit. J'étais en état de choc. Donc il est en plein limoud et il fait un truc pareil Shabbat. Donc il faut apprendre. Borer. On fait maintenant le matin, ici on fait Borer. Si on n'a pas appris bien Borer, ben c'est à tous les coups tu te plantes. Mais à tous les coups tu te plantes. Moukhtse, qu'est-ce qu'on peut porter Shabbat? Qu'est-ce qu'on peut parler Shabbat? D'abord, ce qui s'est permis de dire, pas permis de dire, des mitzvot. Bon, ça, c'est encore c'est des rabananes, mais t'as des trucs de horaïta, toute la journée. Faut apprendre, hein? On peut l'apprendre, mais pas forcément l'intégrer. C'est le maasim. Ok. Borer, par exemple, c'est pas évident du tout. Mais plus on va l'apprendre, plus notre conscience sera grande, et quand on arrivera au moment, tac, on fera attention. Il n'y a que l'étude qui grandit, qui amène l'action de façon la plus parfaite. Que l'étude peut parfaire l'action. Maintenant, des fois, tu sais ce qu'il faut faire, et là, c'est la deuxième chose, dont le Yetzer est beaucoup plus dur que celui de l'Halakha, c'est le Moussard. Quelqu'un, il va déjà faire l'Halakha, il sera un super grand Halakha. Le Moussard, ça touche ma personnalité. Changer mes mauvaises midotes, l'humilité, m'écraser devant l'autre, faire du chesed. Zichronam, Livracha, toutes les paroles que je dis. Humilité, chesed, et s'écraser devant l'autre. C'est très 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 dur. Et là, on a tous un boulot énorme à faire, qui est l'essentiel. L'essentiel. Rav Dessler serait considéré comme du moussard plutôt ou... Hein? C'est Ashkafa plutôt. Ashkafa plutôt. Hein? Ouais, bon, c'est juste. C'est important aussi. Mais il faut aussi du moussard dur, pur et dur. Du moussard pur et dur. Deux sortes de moussard. Le vilain moussard et le gentil moussard. Le vilain moussard, tu vas aller en enfer. T'as osé un moment penser que t'étais mieux que ton prochain. Aïe, 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 à ce moment, la chrina, elle part, elle te crache dessus. Ou l'autre qui te dit, ah, tu as un moment d'humilité que tu es comme un ange. Côté positif. Aujourd'hui, c'est clair que le positif marche beaucoup mieux que le négatif. Le bâton marche moins bien que la carotte. Donc chacun en fonction de qui il est. Il faut savoir jauger un peu de bâton, un peu de carotte, on a besoin des deux. On est plus bâton. Ah, on est super carotte. Ici, la yeshiva, on est super carotte. Dans les autres yeshivotes que je connais, que j'entends les messages, tu lis les bouquins de Moussard aujourd'hui. C'est presque de la carotte, c'est presque que du bâton. Il y a très peu de carotte. C'est très dur à trouver. Très dur. C'est un truc nouveau. Dans l'éducation juive, la carotte, c'est un truc nouveau. L'éducation juive, c'était le bâton. Nos ancêtres, d'accord, c'est le bâton, à la dure. Et comme ça, les gens, ils allaient. Aujourd'hui, tu vas à la dure à quelqu'un, tu le tues.
On est des nuls. Aujourd'hui, on s'appelle ping, le type, il s'est démoli. À l'époque, c'était des colonnes de marbre. Il fallait à la pioche aller pour. On donnait des coups de pioche, il tenait. Bon, ok, alors il se construisait. Aujourd'hui, on est des nouilles. D'accord, donne un coup de pioche dans une nouille. Qu'est-ce qui se passe? T'en fais de la semoule, de la daïssa, d'accord? Donc il faut du moussard. Du moussard, pas Ashkafa, pas pensée juive, c'est bien aussi, c'est nécessaire. Mais le vrai moussard qui nous booste en avant. Nous rappeler les choses, comme le Messa Dicharim au début de son livre, nous rappeler les choses que nous savons. Le Messa Dicharim, qui est le livre de moussard numéro un, on peut dire, un des musts en la matière, il est dit, je ne suis pas venu écrire des choses nouvelles que les gens ne savent pas. Car quelqu'un, en lisant mon livre, ne verra pas beaucoup de choses qu'il ne savait pas auparavant. Je suis venu lui rappeler les choses qu'il sait, et il a besoin de rappeler. Et c'est donc ramener à la conscience l'importance de cela. Et quand tu lis maintenant sur le danger du lâcher nara, le danger de regarder les filles, le danger de la gava, de l'orgueil, l'importance du chesed, l'importance de l'humilité, quand tu lis des textes là-dessus, ça t'aide dans le jour, parce que tout le monde sait. J'ai dit maintenant 5 titres, tout le monde les connaît par cœur, ces 5 titres. Mais lire là-dessus, ça te renforce pour arriver à un degré de moralité, d'être, c'est ça le but, d'être quelqu'un à l'image de Dieu. C'est quoi? Alors, c'est connaître beaucoup de Torah, c'est ça, pas faire d'erreur dans la lacha, mais surtout être quelqu'un à l'image de Dieu. L'exemple, un exemple humain, de gentillesse, de bonté, de compassion, de ce qu'on a commencé l'autre jour dans le bouquin de Rosal Bavot, je voulais lire un peu sur la Kedusha. En deux mots, je m'écrase et je donne tout à l'autre. Et ça demande beaucoup de travail, parce que nous sommes des super, super, super égoïstes. Il faut dire que pour les gens qui entament une. Dire, une procédure de tshuva, et pour eux, il n'y a pas vraiment de livre de moussard accessible. C'est des bouquins traduits en français tels que le Mishlat Sharim, mais. Il est vide, ouais, c'est dur à lire. Catastrophe. Ouais, catastrophe. Ouais, dur à lire. Il y a des bouquins pour les débutants très adaptés en français. Il y a le bouquin de Rabbi Jungreis. C'est des bouquins que je n'ai même pas lu, mais j'ai entendu parler, c'est très. Du contact, je vois. Non. Des bouquins sur le but de la vie, nous, les épreuves qu'on a. Il y a des choses comme ça. Il y a des bouquins. Il faut trouver les bouquins adaptés. Les bouquins de Rav Elou Hassan sont très bons. Des petits des chidushim ou ça, avec des belles histoires de tzadikim. Ça donne. Voilà. Il faut trouver les choses qui sont adaptées. Mais il faut le faire. 20 minutes à une demi-heure de moussard quotidien, c'est nécessaire. Vous verrez que les Sahara, il se bat là-dessus, plus que tout. Parce qu'il sait que si on aura notre temps de moussard, il est fichu. À la longue, il est fichu. T'as que ça qui fait avancer. Et vous verrez que les gens ne font pas. Demande autour de toi qui fait 20 minutes de moussard par jour. Tu verras quelle minorité. Et pourtant, c'est tellement important. Mais Sacharie fait toute une agdama là-dessus, toute une introduction. Il demande aux gens qu'est-ce qui est plus important. Et ils te diront tous, bien sûr, quelqu'un qui connaît tout le chasse, mais il ne sait pas se comporter avec sa femme, à côté de la plaque. Alors, bon, mais ça va. Ben, sur le terrain, on n'arrive pas. C'est dur, etc. C'est un vrai. Sur le terrain, tu le sens là. Plus que tout. Tu verras que c'est une résistance, une vraie résistance, de prendre le livre, l'ouvrir, se mettre dedans et s'imprégner. Une résistance. Pourtant, on voit que l'étude du moussard dans les yeshivot, c'est une révolution qui n'est pas si vieille que ça. C'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, on ne tuait pas vraiment le moussard. À l'époque, ils sont 50 ans. Moi, ça se fait. Tu compares 150 ans et nous. C'était un autre degré spirituel. Qu'est-ce que c'était? C'était des gens par rapport à nous. Les gens n'étaient pas parfaits. À 150 ans, ils avaient bien des défauts. Il y a toujours une amélioration à effectuer. Ouais. Même si on est bien, même si on a des très grandes qualités, on peut toujours améliorer les qualités. Ouais. C'est un niveau de sainteté tellement grand dans l'étude de la Torah. L'étude de la Torah était tellement ardue que pour eux, ça suffisait. Et c'est aussi des grandes âmes. Il n'y a plus aujourd'hui de ce type d'âme. Des gens qui étaient habitués à la dure. C'est une autre génération. C'est plus adapté aujourd'hui. Il y a eu une grande discussion aujourd'hui. Il y a 150 ans, à la fin, tous les grands rabbins ont reconnu que c'est nécessaire. Sans ça, on passe à côté. Garantie. Comme vous avez dit, il faut s'imprégner, ça veut dire qu'il faut vraiment le faire bien, le moussard. C'est-à-dire, si je le fais comme ça. Même pas bien, c'est mieux que rien. C'est ça aussi, c'est Sarah qui te dit. Ça peut... Moi, mon moussard, ça sert à rien. Chaque moussard sert, parce qu'il te fait une petite empreinte. Comment ça fonctionne, le moussard? On doit renforcer la conscience. Maintenant, quand tu lis, tu fais une petite raie dans le cerveau. Quand tu relis, tu fais une deuxième petite raie. Tu relis, au bout de 100 fois, ça te fait un gros trait.
Alors la petite raie, tu sens pas son action. C'est au bout de 6 mois que tu verras. Au bout de 6 mois, que tu fais un sujet, tu prends maintenant un sujet, je sais pas moi, le chesed. Tu lis pendant 6 mois, même 6 mois c'est long, d'accord. Tu fais 2 mois, tu lis rien que sur le chesed. Tu verras que ton action va changer. Tu verras que tout à coup tu fais des actions que tu ne faisais pas auparavant. C'est... Je peux te signer. C'est clair. C'est mieux de rester longtemps sur le même sujet. Hein ? C'est mieux de rester longtemps sur le C'est bien de faire des actions. Pas tout prendre à la fois en général. Tu prends maintenant voilà, 2 semaines ou 3 semaines, tu prends un certain sujet. Et là, tu lis là-dessus, tu travailles là-dessus, tu fais un cheshbon nefesh là-dessus, un bilan de ce que tu as fait. Ouais, justement, une personne qui rentre les choix, est-ce qu'elle doit avancer entre guillemets sur tous les fronts, c'est-à-dire la cache-route, la défilade, le shabbat, ou est-ce qu'elle doit justement dans une progression se dire voilà, déjà avant, moi j'ai pas du tout caché, déjà je vais commencer à prendre la cache-route d'une manière sérieuse ou quoi que ça, je vais avancer là-dessus, tout ça, etc. Et bon, je vais peut-être pas être au top encore sur les défilades, mais je vais dire là-dessus, je vais me fixer là-dessus, ou alors est-ce qu'elle doit se dire bon voilà, je vais... Il faut prendre conseil chez un rabbin. Qu'est-ce qui est plus urgent au niveau de la pratique que d'autres choses? Comme j'ai dit l'exemple, quelqu'un qui croit que le mikvé avant Shabbat c'est important, il se plante. Tout le monde comprend, c'est un minimum de judaïsme dans le sang, de connaissance des lois, de hiérarchie des choses dans le judaïsme, il sait que Shabbat passe bien avant le mikvé avant Shabbat. Donc nous devons la guider sur les choses qui sont prioritaires. À elle, après, de faire ses choix dans l'avance. Combien? Pour la booster en avant, il faut de l'information et du moussard. Mais beaucoup d'informations au début, plus que du moussard, beaucoup d'informations. Et donc, on donne la priorité aux choses qui sont graves, donc Shabbat, cachot, relations sexuelles et des choses comme ça. Après, les bonnes habitudes, aller fréquenter une communauté, c'est important. Du point de vue de la loi stricte, fréquenter une communauté, c'est pas important. D'accord, c'est bien. Mais dans le cadre d'une tchouva, c'est important de voir des gens comment ils prient, répondre à même, enfin avoir un minimum, savoir comment ça se passe. Je reviens sur le moussard. Est-ce qu'on peut dire que le moussard est une action irréversible ? Au contraire, non, c'est une action, une empreinte passagère qui peut partir avec le fil du temps. Maintenant, je vais étudier maintenant le reset pendant 6 mois. Est-ce que maintenant, est-ce que dans 2 ans, j'aurais changé ? Enfin, est-ce que dans 2 ans, je serais quand même une personne différente par rapport à la personne que j'étais avant d'étudier le moussard ? Je te donne un exemple maintenant. Comme quelqu'un qui fume et il fait une désintox, il arrête de fumer. Un désintox, il a reçu des cours, des comment on appelle ça, des trucs de groupe, des travaux de groupe, etc. D'accord ? Bon, il arrête de fumer. Puis après, 6 mois, une petite cigarette de temps en temps. Après, pas il retombe aussi grave, mais bon, il fume de temps en temps. Quand il fume, c'est clair qu'il y a une empreinte du passé. Il se souvient, c'est pas très bien, un peu moins. Maintenant, des fois, cette empreinte du passé va faire qu'il va arrêter de fumer. Des fois, ça va rien changer. Des fois, ça va te faire pire. Et de toute façon, moi, je suis déjà essayé, ça sert à rien et je peux rien faire là-dessus. Et il retombe encore pire. Tout est possible. Ça nous désengage pas de l'obligation de nous booster en avant avec le moussard que nous faisons durant cette période. La désintox qu'il a fait, elle est bonne de toute façon. Ça peut l'aider, c'est certain que ça va plus aider que ne pas le faire. Il aura connu, il verra même qu'un temps, il fait maintenant une action sur le chesed, d'accord ? Il dit, comment j'étais il y a un an, que le chesed je faisais, maintenant je suis un nul. Ça peut le rebooster en avant, ou bien comment j'étais heureux de faire du chesed. C'est certain, mais c'est une bataille qui est quotidienne, donc. Tu fais une action pendant quelques temps sur le chesed par exemple, après il faut faire des rappels, tous les 2-3 mois de nouveau, on se prend une petite 2-3 jours de nouveau en action sur le chesed, d'accord, il faut... Non, parce que si on dit que maintenant que le moussard a une action irréversible, ça veut dire que ma personnalité a réellement changé. Elle a changé. C'est-à-dire que si maintenant c'est une action qui est irréversible, ça veut dire que ma personnalité ne change pas, mais que Non. La personnalité, elle change. Mais la personnalité, elle est tous les jours en... elle subit les influences de son yetzer et son yetzer atov. Donc toi maintenant, tu t'es boosté au niveau du chesed, mais tu as un égoïsme, tu as aussi un égoïsme latent qui est là, qui revient à l'attaque tous les jours, sans cesse. Maintenant, si tu ne travailles pas le moussard du chesed, l'égoïsme, il prend du terrain. Chaque jour que tu ne fais pas de chesed, que tu fais pas de l'action du chesed, ou que tu fais du moussard sur le chesed, l'égoïsme te reprend encore un millimètre, 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 au bout de 6 mois, tu retombes à ce que tu étais. Donc c'est pas qu'on fixe une chose et c'est, l'homme il est dynamique, il a une mouvance. Donc tu es en bataille. Si tu te bats, tu avances, tu ne te bats pas, tu régresses. C'est clair. Non, parce que quelqu'un qui va arrêter de fumer, le premier jour, son avis sera toujours aussi forte. Maintenant, il va se faire une bataille pour ne pas fumer. Peut-être que le moussard, c'est la même chose. C'est-à-dire que mon égoïsme est toujours aussi grand
Et maintenant, je vais étudier le moussa pendant 2 mois sur le recette. Mon égoïsme sera toujours le même pendant 2 mois. Oh, j'ai compris ta question. Ça, c'est on peut arriver. Je prends des exemples. Regarde, je vais donner un exemple, 2 exemples. C'est très, très, très bien à comprendre. Un juif était complètement non religieux. Il mangeait des grenouilles. Cuisses de grenouilles frites. À la sauce d'escargot. Bon. Après, il a fait tchouva. Et après 5 ans, il passe dans la rue et il voit une affiche pâte de grenouille, cuisses de grenouille frites à la sauce d'escargot. S'il a fait une bonne tchouva, ça ne lui fait absolument rien de voir ça, et peut-être même ça le dégoûte. S'il arrive à ce point-là, c'est que c'est complètement réparé. D'accord ? J'imagine que si à la majorité des élèves qui sont ici, je propose maintenant jambon beurre, d'accord ? Beurre. Ils n'ont même pas, ils ont pas une bataille intérieure, j'ai envie, mais je me retiens. Beurre. Beurre. Immédiat. Shabbat prend de la voiture, elle fume une cigarette Shabbat. Beurre. Immédiat. Là, ça veut dire que le tikkun, il est complet. C'est le Tzara, il n'existe plus, il est mort à ce niveau. Il peut le ressusciter, mais là, il est mort. Quand il y a une fille, une bombe qui passe dans la rue, notre réaction doit être la regarder, beurre aussi fort que le jambon beurre. Quand tu es à ce point-là, c'est que tu as fait le tikkun. Le Tzara, il n'existe pas. Bon, on veut le canaliser, ce Tzara-là. On ne peut pas le rendre quête des quêtes. Possible. C'est un grand Yetzer. On est obligé de l'utiliser pour la Gdusha. Dans la Gdusha. Pas dans Touma. Pas dans Touma. Pas dans Touma. Pour toi, c'est Bork. C'est Bork. Pas un problème pour le monde. Hein? Je ne peux pas avoir de tikkun dans ça. Je ne peux pas savoir mon jauge de. Bien sûr, tu peux. Le roi David, il s'est marié. Il avait plusieurs femmes, 18 femmes. Il a dit Libi Halal Bekirbi. J'ai tué mon Yetzer. C'est des amènes. Je n'ai pas dit. J'ai dit. Il me pose la question. Je réponds à des. Idéalement, oui. Avec beaucoup de moussard, on arrive à une. Alors, le beurk total, c'est un super grand sadique. Mais de sentir ce tzara que j'ai, je ne vais pas me sentir mal pour ça. Il est malade, que le beurk m'a corrigé comme ça. À ton niveau, mais Baba Salé. Je sais que je m'inverse mon tzara que je ne regarde pas. Mais à ton niveau, c'est bien. Je ne la regarde pas et ça me dit j'ai du beurk, je n'ai pas fait mon petit coup, ça peut cacher à dire. Alors quoi, on est tous foutus. Si regarde quelle belle créature. Attends, c'est pas parce que tu n'es pas Baba Salé ou David Ameller que tu es foutu. Pourtant, avec Kiba, il a vu une femme sur un arbre et elle commence à courir. Ça, c'est une action spéciale, l'USRA. C'est un super grand USRA spécial. Mais quand il a vu la femme de Tonosophos qui est venue, il a ri, il a pleuré et il a craché. D'accord, il a ri parce qu'il a vu qu'un jour il se mariait avec elle. Il a pleuré parce qu'il a vu qu'un jour elle serait enterrée. Il a craché sur cette beauté extérieure qui était des. Il a craché sur le beurk qu'il avait, le beurk en voyant maintenant cette chose interdite. Donc un grand sadique, il peut arriver à, parce qu'il s'est bossé, il a beaucoup travaillé sur le moussard. Il arrive à un moment où lui la réaction face au mal, c'est beurk. Jamais beurk, c'est impossible. C'est un travail énorme de faire que le Sahara ait été tué. Toi et moi, qu'on n'est pas à ce niveau-là, alors on a un Yetzer Hara. C'est comme il dit. C'est comme un petit, maintenant, il y a un type, il a fumé, il a arrêté de fumer, il a encore une bataille intérieure, il se retient. Alors, il a un mérite là-dessus, je ne dis pas que c'est non, mais on ne peut pas dire qu'il a tué son Yetzer Hara. Il a encore. Quand après, voir une cigarette, moi je suis anti-cigarette, je ne supporte pas la cigarette, je ne sens pas très, je ne suis pas un bol d'odorat, mais ça me fait une oppression dans les poumons immédiate. Je fumais quand j'étais jeune. Ben aujourd'hui, c'est un beurk à la puissance 1 milliard. Parce que je ne sais pas si c'est ça. Maintenant, les femmes, c'est un gros morceau. D'accord. On peut. Hein? Quand c'est, vu que c'est dans la Touma, c'est pas Chayar, c'est pas toi, c'est comme. C'est à lui, si c'est dans la Touma, comment on voit la chose. Regarde, je vais te donner un exemple que je ne sais pas s'il est au niveau de tout le monde ici. On met un homme dans le lit avec une femme mariée. Je sais pas, bien sûr. Mais c'est, comme vous dites, c'est une épreuve. Ben, il y en a pour que c'est une épreuve, pour une épreuve, c'est même pas question. Il fuit en courant, mais il n'y a même pas question. Il saute. Il n'y a même pas question. Il saute. Femme mariée, il saute. Je veux dire encore mieux, d'accord, ok.
La femme de ton meilleur copain. Elle. Elle dans ton lit. Alors, y a question ou pas question ? Je sais pas. Bon. C'est qui ton rapport ? Vous avez pas ça ? Non, c'est bien. Non, c'est bien. T'as dit non. Il y en a, il y en a. C'est sincère, c'est pas. Non, non, t'es sincère, c'est très bien. Comment je réagirais à ce moment-là ? C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais il y en a. Pour qui ? Il n'y a pas question. Je veux dire, elle peut être qui elle est, mais il n'y a pas question. Il n'y a même pas la question. En théorie, mais s'il est dans le lit avec elle. Oui, mais voilà. Peut-être que. Ok, sans le peut-être que. C'est vrai qu'on ne peut jamais savoir ce qu'il y aura sur. Ok, peut-être qu'il y a un serra de folie. Mais comme ça, à prime abord, mais tu défonces tout, d'accord ? Tu pars en courant, en pyjama. Ça se peut. C'est quoi ? C'est la conscience du mal qu'il y a ici. La conscience que c'est pas pour moi, ça t'empêche pas d'aller avec ta femme. Maintenant, quelqu'un, il y a une bonne femme qui passe dans la rue, moi j'ai une conscience que c'est tamé, j'ai même pas envie de voir, je fuis, ça me dégoûte. Je pense que ça peut entraîner. C'est, maintenant, c'est un niveau de travail, ça c'est un travail. Je dis pas que c'est mon niveau, pas du tout, mais je dis que c'est possible. C'est possible. Et des gens qui travaillent, ils arrivent à ce niveau, c'est clair. Quand on voit ça, c'est quoi qui nous dégoûte aussi, c'est pas... L'interdit, là, tout, on devient... Peut-être la peur... Ah, c'est le fait de... Comment... Je profite de stimuler, c'est la peur que ça me fasse tomber. Ça, les yeux regardent et le cœur y désire. Ok. On l'avait dit souvent. D'accord. Ça. Mais au bout d'un moment, on devient tellement... J'imagine qu'on devient tellement... C'est comme au début. Au début, faire Shabbat ou manger kasher. T'as une table. Tu vas aller manger. On t'invite à aller manger un poisson au McDo. D'accord. Ça existe, un truc comme ça ? Et crop, c'est caché à rien. Voilà, poisson. Voilà, fiche McDo. D'accord ? T'as intérêt ? Oui, non, oui, t'as faim, les copains, ils vont aller, allez, fais pas. T'es entraîné, t'as une bataille. Aujourd'hui, je te dis fiche McDo, tu dis jamais de la vie. Donc, c'est ça, tu l'as vaincu, il est mort, il est terminé. Tu t'es travaillé là-dessus. Aussi au niveau des femmes, tu peux faire un travail au niveau du regard des femmes, du contact physique avec une femme, d'accord ? Tu peux faire un travail, que c'est je sais pas où vous en êtes, mais moi j'imagine qu'un contact avec une femme, ben, mais ça serait dégoûtant, ça me brûle, ça me brûlerait. C'est pas que j'ai envie que je me retiens, nous, ça me brûlerait. Nous, par exemple, le fiche McDo. Une femme étrangère qui venait m'embrasserait, mais burk, j'aurais envie de cracher tout de suite. Non, femme étrangère. Baruch Adonai, l'homme de